Amigo, c'est Simon 88, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi ça, putain nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très en retard, mais ce n'est pas grave. On est parti pour une vidéo d'Arsenal. Une vidéo d'Arsenal qui me fait très plaisir de la faire parce que aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que Rolf a fait pour la mise à jour Noël. Voilà. On est sur le Discord. D'Arsenal, voilà, on le voit là. Donc voilà, donc là on a tout le patch note. Donc il y a des nouvelles armes. Ils ont refait l'AK-47. Il y a minifigure. Donc minifigure, c'est une, c'est rigolo, c'est comme un petit jouet. C'est comme un petit jouet qui est sur ton bras et qui a un pistolet. Et en fait, bah, c'est le petit bonhomme en fait que tu contrôles qui tire sur les ennemis. Donc voilà, c'est sympa, c'est rigolo. J'espère que ça restera sur Arsenal. Parce que franchement, c'est super original. J'ai halluciné quand ils ont fait ça. Enfin, c'est vraiment bien fait. Ensuite, Candy Cane Minigun. Alors, c'est en gros un minigun de canne à sucre. C'est stylé. C'est vachement stylé. Donc voilà, donc je vous montrerai tout simplement ça. Bah, j'espère qu'on va tomber sur cette arme là. Après, c'est à vous de découvrir aussi sur le jeu. Ornament by Buildings. Dans Ornament. Je sais pas. Peppermint, je vois ce que c'est peut-être. J'en rappelle plus. Nutcracker, c'est une sorte de pompe. On peut dire une sorte de pompe. J'en rappelle plus c'est quoi ça, Peppermint. J'en rappelle plus du tout. Et ça non plus. Je me souviens plus. Nouvelle map. Donc voilà, voilà toutes les nouvelles armes. Bah, plutôt ça, ce sont des nouvelles armes. La K47, c'est déjà fait. Elle était déjà créée. Voilà. C'est juste le nouveau design, nouvelle animation, voilà. Ensuite, nouvelle map, l'atelier du Père Noël et Dust Storm, voilà. Donc vous allez voir, donc ce n'est pas du tout dans le thème de Noël ou de fête de fin d'année. C'est tout simplement une sorte de désert, un peu comme ville de sable en fait. C'est une sorte de ville de sable en fait en gros, mais plus stylé, je dirais. Ensuite. Il y a des nouveaux skins. Il y a eu le skin Reine, Bonhomme de Neige, Scrooge. Donc c'est un mec méchant, je crois. Peppermint Twins. Donc je sais pas ce que c'est quoi. Ski Star. Donc un mec qui fait du ski, je crois. La star du ski. Seg. Je sais pas c'est quoi. Xmas Nomade. Ok, bon. Donc un nomade, quoi. Le nomade du Père Noël. Voilà. Enfin, le nomade de Noël. Voilà. Et ensuite, il y a eu des nouveaux skins. Skin, Holidays, machin, Rambo, Santa. Ah oui, oui. Les alt skins, c'est les variantes des skins. Comme par exemple, il y a le skin no Père Noël. Et ben là, vous avez le skin Père Noël en Rambo. Voilà, c'est ça. Holidays, Laboreur. Enfin voilà, il y a plein de nouveaux skins. Anarchiste, Winter. Enfin voilà, il y a plein de nouveaux trucs qui est sympa. Le Rambo Santa, il est énorme. Il est excellent. Les New Unusual Effect. Donc ça c'est tous les nouveaux skins de melee en fait. Non, les skins d'armes, voilà tout simplement. Donc Aurora, Celestial, etc. etc. New Melee, donc des nouveaux couteaux, nouveaux skins de couteaux. Donc je les ai tous, j'ai les trois, hein. J'ai les trois, j'ai tryhard. J'ai eu 20, j'ai récolté au moins 28 700 bucks, battle bucks, et j'ai tout acheté. Voilà, j'ai presque tout eu dans ce qui est customisation sur ce patch. Donc voilà, voilà, je me la pète un peu. Voilà, donc y a une épée de glace super stylée. Une candy kna, oui, une épée, une épée en canne à sucre, donc c'est pas mal. Et un gros marteau en fait, voilà, un gros marteau de Noël, vraiment super stylé. Ensuite, 10 new weapon skin. Ah oui, non, je vous ai dit conneries, ça c'est tous les weapon skin, mais c'est quoi ça en fait là? New Angel Effect. Ah oui, d'accord, c'est les effets qui sont que vous pouvez avoir sur les skins, c'est ça, c'est ça. Là, c'est les skins. Et en fait, tout ça, là, vous pouvez les avoir sur les skins là. Ok? Donc voilà. Désolé. Voilà, donc ça, en réalité, c'est tous les nouveaux skins d'armes. Voilà. Donc on obtient avec le... La... Parce que là, j'ai la boutique là devant moi. Le skin case, voilà. Pour avoir les skins d'armes, tout simplement. Voilà. Et bien sûr, maintenant, ça a changé de prix.
Maintenant, c'est à 900. Voilà, 900 euros. Enfin, 900 Battle Bucks. Voilà. Et ensuite, les équilibrages. Les changements. Donc, un truc cheaté, il n'aurait jamais dû faire ça, Rolve. Pourquoi vous faites ça? Barrette, donc c'est le sniper lourd là, tout noir là, peut faire un self knockback. Je vous laisse réfléchir là pour. Je vous laisse. Hein? Ouais, c'est bon, vous avez compris? Ceux qui n'ont pas compris, alors qu'est-ce que ça veut dire self knockback? Self knockback, self c'est tout seul. Et knockback, et bah c'est tout simplement ça te fait ça te fait reculer, ça te pousse en arrière, ok? Ça veut dire que ça, knockback, ça te repousse dans en arrière. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Barrette, à chaque tir, et bah en fait, ça te fait reculer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que Barrette, maintenant, le sniper là, c'est une arme à bump. Ouais. Et ça t'envoie loin, hein, au-dessus. Hein. Ça t'envoie, ouais, allez, facile, 3 mètres, 5 mètres de hauteur, partir. Ouais. Donc voilà, c'est un nouveau type de jouet barrette. En fait, en gros, tu tires en dessous de toi, tu, au moins 3 balles, facile. Et là, t'es en hauteur, en fait. Hein. Waouh. Ouais. Ah, je vais vous montrer ça hein, quand on va tomber dessus. Hein. MP7 Ammo Buff. Donc avant c'était de 20 à 60, maintenant c'est passé de 40 à 120. Le MP7, je sais pas ce que c'est, je vais voir. Ouais, je crois que ça a changé le MP7, je sais pas ce que c'est. Quality of Life, UE in the. Ah oui, alors ça c'est quand vous faites un kill. Vous voyez en haut à droite quand vous faites des kills. Voilà, voilà bah en fait ils ont changé ça. Vous savez, ça là, ici là, voilà, ici là. Bah en fait ils ont changé. Ils ont changé le design en fait tout simplement. En fait quand vous faites un noscope, quand vous tuez quelqu'un mais sans d'avoir fait un headshot, et ben ça vous va mettre ça va vous mettre le petit sigle là, voilà, noscope. Et si, par contre, si vous l'avez fait dans la tête, le kill, bah ça vous met la petite flèche. Voilà. C'est juste une petite question de. Une petite question de je sais pas comment dire de précision en fait de ouais voilà ça précise plus ta mort en fait voilà. Ensuite backstabs, donc ça les backstabs c'est quand tu fais un kill au couteau en gros ça montre pas ah oui ça montre maintenant le couteau qui est utilisé voilà quel couteau qui a été utilisé voilà ok. Et ensuite, backstabs, headshots, stomps, icons, armor, optimized. Ok, donc maintenant, ça a été mieux optimisé apparemment. Donc voilà. Voilà. Apparemment, c'est mieux, quoi. Voilà. Et ensuite, voilà, après, ils ont annoncé, voilà, et maintenant, la marche du Nutcracker March, là, a une musique, maintenant. Voilà, des petits trucs. Bref, on est sur le jeu maintenant. On met le son. Et bien sûr, que je vous montre. Voilà, regarde, je me la pète. Hein, regarde. J'ai pris tout dans mon calendrier de l'avant. On va se mettre en Rambo Santa. Donc là, vous cherchez Santa et là, vous avez Rambo. Voilà, c'est le Père Noël, mais en Rambo. Je le trouve trop stylé. Donc voilà, donc on va le mettre voilà, pour ce début de vidéo. Voilà, après les skin case, ouais, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, là il y a Aurora et tout. Enfin voilà, il y a plus de skin case quand même. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc voilà, voilà. J'ai eu plein de skins. J'aurais dû filmer. La prochaine fois, promis, je fais une vidéo une vidéo un peu unboxing ou je sais pas quoi. On récupère tous les éléments de Noël ou je sais pas quoi. Ou peut-être dans la prochaine vidéo de la présentation du patch, ou je sais pas quoi. Alors, on fait une petite session, on fait une petite partie de la vidéo où j'achète, je vide mon argent quoi, voilà, sur Arsenal. Enfin, vous voyez un peu le concept quoi. Ok. Donc là, j'espère qu'on va tomber
Oui, donc le revêtement de merde que j'ai, hein, regardez. Donc ça, c'est un skin d'arme. Enfin, un skin de couteau qu'on peut avoir au calendrier de l'Avent. Enfin, qu'on pouvait avoir. Voilà. Et bien sûr, j'ai un revêtement bien dégueulasse de bougie. Ah, vous voyez le truc d'headshot là au-dessus? Voilà. Ça veut dire qu'en fait, il m'a fait un skill au headshot avec le snipe. Avec le Psycho, je crois. Le Sako, ouais. Vous savez, le sniper en bois, là, je sais pas quoi. Ah, le barrette! Regardez le barrette! Ouais, il n'aurait jamais dû faire ça, Rolv, hein. Regardez, c'est n'importe quoi! Regarde! Bonjour! Tu es où, monsieur, qui est sur la tour Eiffel? La tour Eiffel, la grande roue. Je suis fatigué, hein, désolé. Au secours. Par contre, je galère. Voilà. Non, mais c'est trop pété. Et ce qui est encore plus pété sur Arsenal, c'est qu'on meurt pas de chute. Il n'y a pas de dégâts de chute. Bonjour. Bon, par contre, avec ça, tu vois, on peut pas. Tu vois, on peut pas. C'est impossible. C'est impossible de se self-knockback parce que, bah voilà, c'est y est pas. C'est y est pas sur cette arme. Mais c'est pété. Vous êtes d'accord avec moi, c'est pété. Sur certains trucs. Vous êtes bloqué? Ah merde, il y a un ennemi devant moi! Et là, boum, vous tirez en dessous de vous et hop là, vous esquivez. Vous avez peut-être. Vous aurez une chance peut-être d'esquiver comme l'ennemi quoi. La marche du Nutcracker là. Ah, je peux pas émote. Il y a un bug en ce moment, on peut pas émote des fois. Des fois on peut émote et des fois non. Des fois il y a un bug comme ça, c'est chiant. Ils ont refait. Là, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer la map Daisy. Donc étourdi, qui a été refaite. Donc voilà. Allez, let's go. Donc là, on va essayer de kill sa maman. Ok. Après, je vais changer de revêtement parce qu'il est dégueulasse ce revêtement. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis en fait. Hein, tu vois, c'est pour te dire. Bonjour. Dans quoi? Bonjour. Bonjour, j'ai pas le temps de... Bonjour, voilà. Bonjour, monsieur. Ok. Voilà, ça va spawn là-bas. Vous voyez, je connais les spawns, les potes. Oula, 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 c'est quoi ce lag là? Ah si, elle Discord. Bon, je pense que ça tourne pas tout, enfin, je sais pas. C'est chelou. Bonjour, ah non, je me suis fail. Bonjour. J'aime bien dire bonjour dans cette vidéo. Et putain. Allez. Oh là là. Je peux pis quoi, c'est horrible. Ok. Ok. Tac. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon Noël. Si c'est le cas, bah ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, de me suivre. Ça me ferait extrêmement plaisir quand même. Donc, de toute façon, tous mes réseaux sont dans la description. Voilà, donc il n'y a aucun souci. Oh! Donc, Allemagne. Tu vois,
Enfin, Concussion Mania, c'est le mode ça. Mais Concussion Rifle. Vous voyez le Concussion Rifle? On peut se self-knockback aussi. Oui, pour vous donner un exemple quoi. Ok. Oh non, c'est en standard, c'est vrai. Oui! Yes! Ah, là, je peux vous montrer les emotes, là. Voilà. Avec mon Rambo Santa, là. Ah, voilà, Dustorm. Dustorm. Random, j'aime bien random. J'espère que vous kiffez la musique, hein. Alors attends, on va changer le revêtement parce qu'il est dégueulasse. On va mettre un paquet cadeau là, comme ça, voilà. Et je vais changer de couteau, comme ça vous voyez un peu de tout. Ah oui, les candy can, ouais. Regardez, tac là. C'est un peu comme les griffes du Freddy, mais en canne à sucre, quoi. C'est trop stylé. Moi j'aime bien. Oh là là. Oh là là ce que je vous ai fait. Oh là là. Oh ce que je vous ai fait, c'est magnifique. Oh c'était magnifique. C'est tellement pété. Regarde. Pop. Pop. Mais tu l'as? Mais j'avais cru que j'ai tiré dessus là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais what? Pop. Ok, voilà, c'est bon. Au moins c'est plus facile de faire un kill avec la barrette au moins. Y'a un mec derrière là, ouais. Y'a un mec là. Oh là là, mais moi l'enchaînement que je fais les amis, incroyable. Oula. Je suis un Pernal Santa, dis donc. Un Père Noël Santa. Je suis un Père Noël en Rambo, calmez-vous. Je me trompe, tellement. Je me trompe dans ma connerie, moi. Oh. Y'a pas un self-knockback. Bonjour. Mais je suis à chier, moi, là, sur cette arme, là. Le pulse musquette, là. Mais laissez-moi faire un kill. Pas possible ça. Mais c'est pas possible. C'est... Ah bah voilà, merci. Ah bah voilà. Dis donc, va. Nope. 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 Ok. Nope. Nope. Ah. Je sais pas ce que vous en pensez de cette map. Moi j'aime bien. Particulièrement. Peut-être que c'est le nouveau Ville de Sable, on peut dire. Mais bon, il y en a qui disent que c'est le nouveau Ville de Sable. Pour moi, c'est pas vraiment comme Ville de Sable. C'est quand même un autre type de gameplay, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Pouf, c'est quoi cette battle? Bonjour. Oh là là. Ah ouais, tu restes comme ça, eh. Ah ouais, ça c'est le... Ça c'est pour bien camper, ça. Par contre, voilà, par contre t'es un peu à découvert, par contre, donc sinon... On peut monter là? Oh! Nickel ça. Bonjour. Mais c'est blague. Le mec, il est pas mort le mec. Mais tuez-le. Mais tuez-le ce mec. Ok, ça va spawn de l'autre côté, voilà. Ça va aller là. Voilà.
Boum. Ça va là. Non. J'en étais sûr que ça spawnait à droite, mais non. Je me suis fail. Ah, dommage. Dommage. Ah bref, ces couteaux, ils sont vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà. Ah, ça c'est l'atelier du Père Noël. Random. J'aime bien random, j'aime bien. Chacun sa petite arme là, je trouve ça sympatoche. On va changer le revêtement. On va pas mettre de revêtement, tiens, hop. On va changer par contre le skin d'arme, enfin le skin de mini. Voilà, on va mettre le glacier, l'épée de glace. Ah non, ils ont pas choisi l'épée de le Père Noël là. Ah, c'est dommage. Alors regardez l'épée de glace, il est trop stylé. Mais vraiment trop stylé. Alors la petite technique avec cette arme là, c'est vraiment de le balancer sous les pieds là. Et de le mettre et de poser, en fait de tirer là où les gens passent généralement. Comme ça, bah vous pouvez faire des dégâts facilement quoi. Ah, ça c'est la K47. Voilà, voyez. Hop là. C'est nice ça. Voilà, je tire un peu. Rechargement. Voilà. C'est carré. Une vraie AK quoi. Boum. Ça c'est pas AK-47, là c'est AK-74. C'est marqué en haut en bas à droite. Allez putain, est-ce que je vais réussir au moins de gagner là? Ça fait au moins 5 minutes que je suis le couteau en, que je suis... Non, même pas 5 minutes, ça fait au moins... Ça va faire 10 minutes là, je suis sur le couteau en or là. Voilà, merci. Oh là là, qu'est-ce que c'est casse-couille compétitif. Enfin, standard. Vaut mieux carrément compétitif quoi. Parce qu'au moins, t'as l'arme en or, tac, tu tires et c'est bon, t'as gagné quoi. Oh là là, merci. Bordel. Voilà, compétitif. Votez compétitif. Bon, j'arrive pas depuis tout à l'heure de vous montrer là les nouvelles maps là. Ça m'énerve là, hein. Ça commence à me courir sur le haricot, comme on dit. Comme on ne dit plus. Plutôt. Ok. Allez. Quel autre? Ah non. Vous avez vu le quand même hein. Oh, trop stylé le couteau quand même. L'épée là en glace là. C'est bien stylé. Ok. Oh, monsieur est à côté de moi. C'est trop facile comme ça, hein, c'est sûr. Hein. Prendre par derrière les gens. Putain, je stresse des fois. Je stresse de me rater. Alors là, on va juste les attendre là. Ouais, ça spawn à côté. Ça spawn là, non? Non. Pas encore. Ça a pas tardé, je crois. La technique, c'est se positionner là et après on attend que l'ennemi spawn là. Parce qu'il y a un spawn ici là. Ouais, non, ils ont spawn là. On se met. What? Mais d'où il m'a tué? Des fois, il y a des trucs que je comprends pas. Enfin, des fois, il y a des trucs que je comprends pas. Ah non. Ok, voilà. Quoi? Mais d'où? Mais d'où? Mais what? Mais d'où le mec il me... Ils ont un auto IM, c'est pas possible. Enfin, je sais pas moi. C'est inhumain ça. Ah, c'est ça la figurine. La mini figurine là. Regardez. Quand on recharge. Voilà, ça fait ça. Ah, excellent.
Boum. Oh, c'est excellent ça quand même. Vous voyez, c'est original ça au moins, tu vois. C'est... J'ai... Oh non! Non! Je me suis cassé la gueule. Ok, on va faire un kill avec le... la figurine. Attention. Ça va être incroyable. Non, j'ai pas eu le temps. Ouais, ça fait un petit peu mal quand même la figurine. Hein. Ah bah voilà, en fait, j'ai fait une assist avec. Mais j'aurais aimé quand même de vous de faire un petit kill entier, quoi. De faire un kill solo. Boum. Boum. Oh, c'est incroyable ce que je vous fais là. Oh non, c'était incroyable. Pourquoi tu caches tout, cochon? Le mec s'appelle cochon. Martine de la montagne, mais c'est quoi ces pseudos? Franchement, c'est quoi ça? D'où dans ta vie tu vas dire, ok, comme pseudonyme, je vais choisir cochon. Oh, ok, regardez. Là, on est sur la map abri, mais enneigé. Oh, regardez, il y a la neige et tout qui tombe. C'est génial. C'est super bien le... J'adore le fight dans cette map enneigée. Avec la neige et tout, c'est tellement stylé. Bon, bien évidemment, ça reste la même map. Hein. C'est juste qu'elle est enneigée. Donc, vous inquiétez pas, la vidéo que j'ai fait sur Abri, tout ce qu'il faut savoir sur Abri, elle est toujours viable en fait. Hein. On va essayer de se barrer là. Et pourquoi ça veut pas? Ils ont changé, j'ai l'impression, la mécanique de ce bump. Et depuis, je suis un peu perdu. Attends, voilà, ça fonctionne comme ça. En fait, c'est ce que j'ai dit en fait. Hein, pour rendre moins pété les armes à bump, il faut changer la mécanique du bump quoi. Et c'est bien réussi, je trouve. C'est bien réussi de la part de Rolf. Alors je sais pas pourquoi, j'ai une petite latence, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être trop de joueurs dans le serveur ou je sais pas quoi. Mais voilà. En tout cas, cette map enneigée, je la trouve magnifique. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On dit bonjour à tout le monde. Dans cette game. Bonjour. Oula, je vais me barrer. Salut. Mais what? Je suis bloqué sur la barrière. C'est quoi ça? Ah oh, what? What? Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors vous avez vu là, j'ai mis le petit revêtement. Le petit revêtement là, la petite arme là. Et j'ai mis un petit skin là, je vais vous le montrer après. Enfin, vous l'avez vu sûrement. Avec un... Voilà. J'adore ce skin. Donc voilà, donc je l'ai mis. Hein, voilà. Avec le petit jukebox derrière. Petite référence avec l'emote qu'on pouvait gagner dans le Battle Pass cet été. Ah, c'est moi qui ai fait plus de kills. Ok. J'en ai fait 22. Ok. Bon, c'est pas ouf, mais... ils ont fait également le Cold Corner en neige. Donc j'espère qu'on va tomber dessus. Oui, monsieur. Celle-là, par contre, elle est vieille comme map. J'espère qu'ils vont la refaire un jour. Parce qu'elle commence à dater, cette map, tu vois. Elle fait... En fait, ça fait vieillot, en fait, cette map. Ça fait vraiment le Roblox 2010, quoi. Ça se voit qu'elle date, quand même, cette map. En termes de graphisme et tout. De propreté, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de décors, quoi. C'est... Voilà, on voit qu'il y a une différence entre les nouvelles maps d'Arsenal et les anciennes, quoi. Il y a moins de décors dans la map, dans les... Voilà. Ouais, ça lag un peu, je suis désolé, hein. Je sais pas pourquoi. Ok, on va là-dedans. Voilà, ça c'est quelque chose à savoir, ça, dans la map. Voilà, on peut sortir ici. Ok, les ennemis ont spawn là-bas, normalement. Là. Voilà. Bonjour. Ah non. S'il vous plaît. Ah oh.
Mais je l'ai pas tiré dessus là. C'est dangereux de se mettre comme ça. Ne vous mettez jamais là. C'est trop dangereux sur cette map. Ok. Tac. Il y a un mec là. Oui, ils sont là. Wow, j'avais cru que c'était un ennemi. Il m'a fait peur. Ok, j'ai fait un dégât. Donc, ça m'a compté faire une assist, donc j'ai pas assez d'armes. Bonjour. Oh, comment je l'ai tué. Il a rien compris, le mec. Ah, j'ai l'impression que c'est fort, le jeu. Ok. On tue le Bigfoot, le petit mec là-bas. Ok, j'ai pas réussi. Ça va arriver ici, là, non? Non. Ils sont là-bas. Il y a un mec au-dessus. Ouais. Vous avez vu l'œil de lynx que j'ai? C'est incroyable, non? Il y a un mec au-dessus, bah voilà. Il y a un mec au-dessus. Bonjour. Ouais, il y a une petite latence, ça se voit. Bonjour. Non. Ok, il y a des ennemis qui arrivent. Je me tire. Je me tire. Ça arrive là? Non. Bonjour. J'arrive pas à tirer sur cette arme comme ça sans viseur. Ok. Qui d'autre là? Venez. Bonjour. Ça va arriver là-bas, non? Ça va arriver là-bas. Je vous l'ai dit. Ok, on recharge. Ok. Tac. Est-ce que ça va arriver là? Je vous le dis, ça va arriver là, les potes. Donc moi, je vais me barrer. Ah, bonjour. Il y a une petite rue là? Allez, hop, salut. Oh, le headshot. Oh, c'était magnifique, le headshot. Je l'ai même pas, j'ai même pas visé la tête. Hein. J'ai tiré comme ça. Voilà. Ok, donc on est en deuxième position. Bah, c'est cool. Bon, par contre, là, j'espère qu'on va tomber sur une nouvelle map. Comme ça, je... Hein, pour vous la montrer en vidéo, quand même. Oh là là. Bon, les gens, écoutez, ça fait au moins des dizaines et des dizaines de games que je... Ça fait au moins des heures et des heures que j'essaye d'avoir, de vous montrer le... La map Atelier du Père Noël, malheureusement, j'y arrive pas. Et c'est peut-être pour ça, juste à cause d'une map. Je pense que c'est à cause de ça que la vidéo a pris beaucoup trop de temps à sortir. Parce que bah, j'ai pris beaucoup trop de temps à vouloir filmer la... Enfin, à pouvoir filmer, moi j'y peux rien, la map. C'est juste qu'en fait, bah, pour avoir pour jouer dans une map, bah, il faut que tout le monde vote une map. Enfin voilà, et la map qui a plus de votes, bah, voilà, et jouer quoi. Sauf que la map ben, Atelier du Père Noël n'est pas trop votée en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'elle est intéressante. Mais voilà. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Je montrerai voilà, dans une autre vidéo. Où je vous montre la map quoi, tout simplement. En question. Voilà. Je trouve ça assez dommage. Ça fait deux fois. Au moins cinq fois là que c'était le moment de la voter. Personne l'a voté. Enfin, oui, il y a eu 3 votes et tout, mais sauf qu'il y a eu 5 votes sur Ville de Sable, sur Daisy, sur celle-là, là, Étourdi, là, sur Abri, enfin voilà. Toutes les maps, sauf ben, l'Atelier du Père Noël. Voilà. C'est dommage, hein, c'est dommage. Parce que... Oh, la nouvelle arme, elle est trop stylée, le minigun, là. Enfin, le... Voilà. C'est dommage. Bon après, si vous voulez jouer sur cette map là, eh ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre, comme ça après bah, je vous fais une vidéo où je vous montre la map en fait en elle-même, en une vidéo d'aller de 10 minutes, allez, voilà. Ben voilà.
Le mec, il est tombé. Ah, il est tombé. Lol. Oh, par contre, mon coco. Oh non, mais d'où tu m'as eu, mon gars? D'où tu m'as eu? Oh non. Le retour. Et boum, headshot. Oh, oh, vous êtes trois sur moi, les gars. Vous êtes trois sur moi. Il y en avait un au-dessus, deux en bas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh là là. Je suis le sauveur. Je suis le sauveur. Oh mon dieu. Par contre, là, il y a deux mecs sur couteau en or. Je stresse. Parce qu'à tout moment, il peut avoir quelqu'un en couteau en or derrière moi. J'ai pas envie qu'il gagne. Ah! D'où je t'ai pas eu? Faites gaffe à votre cul! Ah là là, c'est pas possible. Bon. Bah voilà, l'amigos, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok. Tout est dans la description, voilà, et à me suivre sur le Twitch et ainsi que sur le serveur Discord. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux sur le serveur Discord, ça fait plaisir les guys. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez profiter de ce patch. Et puis voilà, voilà. Bon allez, c'était Sparby88 et je vous dis ciao.